Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SwakuluMike et dans cette vidéo je vais vous présenter un énorme glitch d'XP sur Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, donc vous allez dans choisir un mode de jeu, ensuite vous allez dans découvrir, vous allez dans l'onglet jouer à votre façon et là vous cherchez le mode de jeu mode créatif, voilà comme ceci. Ensuite vous lancez le mode créatif, en attendant que ça se lance vous pouvez aller dans la boutique d'objets de Fortnite, appuyer sur carré pour entrer le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, ensuite vous acceptez. Merci à tous ceux qui le font, ça soutient à fond la chaîne. En attendant que vous vous connectez aussi, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit message dans les commentaires pour le soutien. Alors quand vous êtes dans le mode créatif, ce que vous pouvez faire, enfin ce que vous devez faire, c'est aller près d'un pad et entrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 8 3 5 7 2 9 8 0 6 4 3 9. Ensuite vous acceptez et vous acceptez. Voilà, vous acceptez deux fois. Donc là vous attendez que la map se charge. Alors je tiens à préciser que le code, les codes de la map seront en description et en commentaire épinglé. Donc quand vous avez chargé la map, vous rentrez dedans, tout simplement. Et là, vous allez devoir rentrer un deuxième code. Donc le deuxième code, vous l'entrez près du pad qui est juste ici. Vous entrez le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 4, 3, 2, 3, 1, 2, 7, 4, 3, 0, 9, 4. Et là, vous mettez point d'interrogation, V égale 4. Pour la quatrième version, c'est très important de faire comme ça. Donc là, vous appuyez sur OK pour accepter et la map est chargée. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez près de la map et vous appuyez sur triangle pour jouer en groupe privé. OK, donc là, vous attendez que la map se charge. Normalement, ça va être pas très long. Donc si jamais vous avez arrivé sur une version 4, mais que l'image est tout noire, enfin que vous faites, enfin que tout est noir, là, vous faites option réapparaître. Donc je sais pas si ça va être le cas pour moi. Non, ce n'est pas le cas pour moi. Mais si jamais l'image est toute noire, enfin la map est toute noire, vous faites option menu et réapparaître. Comme ça, ça affichera la map. C'est juste que parfois il y a un petit bug. Donc je préférais vous préciser. Donc quand vous êtes dans la map, ce que vous pouvez faire, le jeu vous le propose, c'est de soutenir un créateur. Donc si vous voulez me soutenir, vous mettez le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. C'est pas obligatoire, mais merci à tous ceux qui le font. C'est pour soutenir la chaîne et ça soutient de ouf. Donc quand vous avez rentré le code, vous appuyez sur option, vous allez dans paramètres menu et vous lancez le jeu. Quand le jeu est lancé, ce que vous allez faire, c'est aller près du bouton support là, comme ça. Donc vous voyez, vous prenez le point de repère, le bouton. Ensuite vous allez dans le coin ici qui est juste là, dans ce coin là. Et là vous allez créer 5 escaliers. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite vous allez créer un plat. Ensuite, vous allez sur votre gauche et là, vous créez 3 escaliers. 1, 2 et 3. Et ensuite, vous créez un plat. Et là, vous aurez 2 boutons d'XP. Normalement, attendez. Alors, normalement, il y a 2 boutons d'XP. Il y en a un qui est juste ici. Et il y a un autre bouton d'XP, normalement, qui se trouve là. Mais je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas. Peut-être qu'il faut que je remette un autre sol. Mais je ne pense pas. Je pense que normalement, ça devrait être bon, mais... Je sais pas pourquoi il y en a qu'un qui apparaît. Mais franchement, quand vous le faites, vérifiez que le deuxième bouton apparaisse juste ici. Normalement, il y a un deuxième bouton. Je sais pas pourquoi il apparaît pas là cette fois-ci. C'est peut-être un peu bugué. Mais en tous les cas, regardez, il y a un bouton qui est juste là. Donc je vais interagir avec ce bouton. Et vous allez voir, je vais gagner blindé d'XP. Donc c'est parti. J'appuie carré. Ah. Ah ouais, en fait. Non, en fait, c'est moi qui me trompe. En fait, il faut appuyer sur ce bouton-là pour activer le deuxième bouton, en fait, c'est ça le délire. Donc, vous activez le bouton qui est juste ici. Et ensuite, vous activez le deuxième bouton. Et là, c'est le deuxième bouton qui va vous donner des XP. Donc, regardez, je suis niveau 43. Il reste 8000 XP. Là, on va appuyer dessus pour voir combien ça me donne.
Regardez, 322 000 XP en un seul clic. 322 000 XP. Boum, direct. C'est un truc de malade, les mecs. J'étais niveau 44, je crois. J'étais niveau 44, j'ai pris 4 niveaux. 4 niveaux en un bouton. En un seul bouton, j'ai pris 4 niveaux, les mecs. C'est juste un truc de malade. Donc, franchement, c'est super cheaté. Donc là, ce que je vais faire, enfin, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous avez interagi avec les deux boutons, ce que vous faites, c'est que vous faites retour à l'accueil. Vous retournez à l'accueil. Vous attendez que ça vous renvoie à l'accueil, tout simplement. Voilà. Quand vous êtes de retour à l'accueil, ce que vous faites, c'est que vous allez renoter le code de la map. Donc, vous renotez le code 8, 3, 5, 7. De toute façon, les codes seront en description. Vous renotez le premier code. Vous attendez que l'île se charge. Donc, ce genre de glitch, ça va être vite patché. Donc, profitez-en un maximum avant que ce soit patch. Donc là, vous rentrez dans la map. Ensuite, vous notez le code juste ici. Hop, et vous renotez le deuxième code. Donc, le deuxième code, c'était 4, 3, 2, etc., etc. Mettez bien le point d'interrogation V égale 4 pour être sûr que ça fonctionne. Parce que si vous ne notez pas le bon code, enfin, vous ne notez pas dans la bonne version, ça ne fonctionnera peut-être pas. Donc là, vous appuyez sur triangle pour jouer en privé. Et vous attendez que ça charge. Tout simplement. Franchement, j'ai pris 4 niveaux. J'ai pris 332 000 XP en un bouton. Quoi. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Donc là, quand vous êtes dans la map, vous pouvez soutenir le code créateur SCM comme d'hab. Hop, boum, boum. Je me le répète, mais bon, c'est très important. Ça soutient à fond. Donc voilà, en plus, le code créateur s'efface toutes les deux semaines. Donc, il faut le remettre. Donc ensuite, vous appuyez sur Options. Vous allez dans Paramètres menu, enfin menu lancer le jeu. Vous lancez le jeu. Et là, on va refaire le glitch. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5 rampes à côté du mode, à côté du bouton code créateur, dans le coin, juste ici, à côté de, juste en face du pistolet mitrailleur à tambour de Midas. Vous créez 5 rampes. Ensuite, quand vous êtes en haut de la rampe, vous créez un plat. Ensuite, vous allez sur votre gauche, vous créez 3 rampes. Vous créez un plat. Ici, vous activez le bouton. Voilà, une fois. Et ensuite, vous allez juste ici et vous appuyez une deuxième fois pour regagner des XP. Donc, on va voir combien d'XP je vais gagner. Mais c'est possible que je gagne moins d'XP. Et c'est possible que vous gagnez plus d'XP que moi j'ai gagné la première fois. J'ai gagné 332 000 la première fois. C'est possible que vous preniez 500 000. Ou alors, c'est possible que vous preniez moins d'XP. Le truc, c'est que ça dépend des personnes. Et ça dépend aussi le nombre de personnes qui font le glitch en même temps. Donc voilà, faut être assez rapide. Quand je propose un glitch, faut être assez rapide. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré et on va voir combien d'XP je vais prendre. Donc là, je prends 131 000 parce que tout simplement, je l'ai fait avant. Donc si vous le répétez, c'est sûr qu'au fur et à mesure que vous allez répéter, vous allez gagner moins d'XP. Mais bon, franchement, 131 000 pour la deuxième fois, c'est juste un truc de ouf. Si je le refais une troisième fois, ça se tombe, là, je gagnerai peut-être 100 000, puis 50 000 ou 75 000, puis 50 000. 45 000, enfin voilà, je sais pas, faut tester, mais franchement, c'est un glitch de malade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce glitch, c'est juste un truc de ouf. En tous les cas, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.